explication. Est-ce l'attitude d'un cadre responsable? Parce qu'en réalité, dans le procès pénal, ce n'est pas seulement les actes, c'est le comportement de l'infracteur qu'on juge. On juge un homme, on ne juge pas de papier. C'est pour ça que dès le départ, je vous avais dit, lorsque je l'ai vu s'agglutiner à deux bouts de papier, dit non, on juge le comportement. Le comportement de l'infracteur est-il le comportement d'un père de famille, diligent, moyennement intelligent? Or, ici, on vous a vanté qu'on n'est même pas moyennement intelligent, on est carrément intellectuel. Qui est un terme que moi-même, je n'ose pas m'attribuer. Être intellectuel, c'est appartenir à une classe sociale. Cette classe sociale, c'est une classe sociale, non pas seulement des gens qui détiennent des diplômes, mais des gens qui ont comme la morale, le bien commun, comme valeur absolue. C'est ça les intellectuels. Il ne faut pas confondre avec les universitaires. Les universitaires sont tous ces gens qui ont des diplômes, et ils sont nombreux au Congo. Mais intellectuel, c'est une classe d'individus rares. Même en Europe, vous les trouvez rarement, les intellectuels. Et donc, on s'est donné des mots. J'appelle ça l'hybris du pouvoir, parce que généralement, quand on est au pouvoir, on se croit doté d'une intelligence supérieure du fait d'être assis sur une chaise. Alors que l'intelligence est un arrêt bien partagé, peut-être par d'autres personnes. Vous vous êtes rencontré une fois avec lui au bureau du directeur de cabinet du chef de l'État au Palais de la Nation. Excusez-moi, je suis resté pendant 2 heures, 3 heures de temps, tu comprends? J'ai été voir le ministre, son excellence, ministre, directeur cabinet pour mon dossier. Vous êtes allé le voir pour votre dossier? Pardon? Vous allez voir le directeur de cabinet pour votre dossier? Oui, bien sûr, pour le dossier où nous sommes arrivés, parce qu'on a déjà écrit plusieurs. Il n'y avait pas de suite. Je ne suis même pas 2 minutes, 3 minutes, tu me comprends, et puis j'ai quitté. Est-ce que ce jour-là, le directeur de cabinet, vous avez reçu? Il me reçut, je pense, 2-3 minutes. Je vous avez reçu seulement pendant 2-3 minutes. Je pense, je ne me rappelle pas. S'il me reçut, il ne va pas reçut. Mais je vois le directeur, je suis l'excellence, là-bas. Il a reçu avant moi. Mais je ah, il a été reçu avant vous. Avant moi, oui. Mais j'ai été resté pendant 4 heures, 5 heures de temps pour voir le reçu. Mais je ne savais pas, je ne me rappelle pas s'il me reçut ou non. Ok. Voilà. Pour un vous savez, le ministre des Finances, il est très intelligent, grand respect. C'est les Finances, il ne veut pas payer à la fin d'année, il va retourner chez les budgets. Merci. Merci à vous. Oui.